Salut Foulies, today I am in Avignon where we are going to discover bread and pastry specialties of Provence. For that, we are going to meet Sébastien Beaupère, who is baker and owners of the Maison Violette, and he is going to prepare specially for us some specialties. La Provence, elle regorge de recettes, il y a autant de recettes que de grand-mère. On a des recettes de fougasse, on a des recettes de fougasse sucrée, fougasse salée, on a du pain, on a des petits gâteaux. Donc là, les fougasses, par exemple, fougasse, ça veut dire feuille en provençal. Donc ça ressemble un peu à une brioche, mais on a pétri, au lieu de pétrir avec du beurre, nous on est en Provence, on pétrit avec de l'huile d'olive. Donc on étale la pâte et après on taille et ça fait une forme de feuille, et c'est ça la fougasse. Et on dit pompe à huile quand on rajoute des écorces d'orange ou gibassier avec de l'anis, et on dit pompe parce que quand on sort du four, on la badigeonne au pinceau d'huile d'olive et elle pompe, elle se gorge d'huile d'olive, donc c'est pour ça qu'on dit la pompe à huile. Voilà, donc ça c'est un peu la recette emblématique de la Provence, surtout pour les 13 desserts, mais on peut en faire toute l'année. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toutes les fougasses salées, donc là c'est pareil, on les fait souvent ou en pâte à pain, en pâte à croissant ou en feuilleté. Et là on le fait avec du gratelon, donc le porc du Ventoux, donc là c'est pour l'apéritif, c'est très croustillant, ça se conserve bien. La fougasse aigue morte, c'est une brioche. On n'a pas pétri le beurre au départ avec la brioche. On rajoute le beurre en fin de pétrissage, une fois que la brioche est étalée. Donc on va découper des petits morceaux de beurre, on va les disperser partout sur la pâte. On va sucrer, on va mettre un sirop à la fleur d'oranger. Et quand la brioche va pousser, le beurre va se retrouver emprisonné dans la pâte. Et quand ça va cuire, il va fondre. Et là, il va fondre à l'intérieur de la pâte. Et donc, du coup, on a des cratères, on a des alvéoles. Et ça donne une brioche qui est très généreuse, très moelleuse et très puissante en goût au moment où on va tomber sur le beurre avec cette fleur d'oranger. Et du coup, c'est vraiment une brioche à part. C'est la Provence. Au niveau des pains, c'est pareil, aujourd'hui je vous ai fait un petit pain avec une farine de lin, avec des écorces d'orange et de l'huile d'olive. Donc c'est pareil, c'est travaillé un peu comme une brioche, donc ça reste très moelleux. Toujours pareil, la conservation, ça va bien avec les fromages de chèvre, avec un bon vin, ça c'est excellent. On a les brassados, c'est une autre forme de brioche aussi, c'est pareil, brassado, donc c'est le petit bracelet qu'on va mettre autour du bras quand on va chercher à la boulangerie. Et c'est une brioche en fait qu'on est bouillante. Et quand on est bouillante, en fait, on bloque la fermentation, et elle est assez serrée, et c'est un peu une texture de flan, donc c'est pareil, c'est parfumé à la fleur d'oranger, donc très typique d'ici. Et du coup, c'est un vrai anneau, et c'est très moelleux. Voilà, et ça c'est une spécialité du Vaucluse, le brassado. Là on a fait des petites tartelettes aux fraises parce que c'est la saison, Carpentras, une petite pâte feuilletée, une petite pâte sablée toute simple, une petite crème pâtissière légère et les fraises juste comme ça avec un tout petit sirop, juste il n'y a rien à faire, elles regorgent de parfums, c'est la garrigue. Puis on a le mendiant aussi, le mendiant c'est un petit biscuit, on fait un petit socle de nougatine, on coule de la ganache dessus et on remplit de fruits secs. Et les fruits secs on dit mendiant parce que ça correspond aux couleurs différentes des mendiants, il y avait les carmes, les franciscains, les dominicains et les augustins. Avec les noisettes, les amandes, on peut rajouter un petit peu de pistache maintenant, d'écorce d'orange, voilà, c'est fondant avec le chocolat et tous ces fruits secs, c'est une explosion en bouche, c'est vraiment sympa. Et la focaccia, donc, c'est un peu comme la fougasse d'aigue morte, c'est une pâte à pain faite avec du blé dur, donc c'est une pâte assez jaune. Et là, on remplit d'huile d'olive, on plante les doigts dedans, donc voilà, il y a toujours ce contact avec la pâte, c'est généreux, voilà. Et on met du sel, du thym, on fait cuire, ça pousse, l'huile elle fond, et c'est très généreux, c'est très moelleux, et ça, c'est le partage, c'est le pain, c'est les copains. Now you know all about bread and pasta specialties of Provence. You have all the detail of the recipes and the bakery addresses on my blog bonappetitfoodies.com. So don't forget to like my Facebook pages and to subscribe to my YouTube channel. And I see you really soon for more videos on Bon Appetit Foodies.